La genèse de ce projet, elle vient de mon histoire familiale. Je suis d'origine grecque. Dans ma famille, il y avait le livre d'Ulysse d'Homère dans toute la bibliothèque. Et donc c'est quelque chose qui était vraiment très, très présent. Mon père nous racontait très souvent tous les héros des mythes grecs. Je sais pas, vers la quarantaine, tout d'un coup, c'est quelque chose qui est devenu important pour moi. Peut-être une idée de transmission, de transmettre à ma fille et mon fils ce que mon père m'avait transmis. Et je l'ai fait au travers de ce que je sais faire, c'est-à-dire la peinture. Donc je me suis coltiné Ulysse, et puis je suis allé plus loin encore, je me suis mis dans ses pas. Je me suis mis à m'identifier à lui et à raconter mon histoire au travers de la sienne. Un peu comme le voyage d'Ulysse, qui a mis 20 ans à être fait, j'ai vraiment pris un peu mon bâton de pèlerin. J'ai travaillé dans l'ombre, j'ai pas montré mon travail pendant 8 ans. C'était nécessaire, c'était vraiment de trouver vraiment un moyen d'expression le plus juste possible et le plus personnel pour moi, vraiment, qui me parlait le plus. Il a fallu que je sois confronté à mes peintures seul. Je viens d'une famille grecque qui a débarqué à Marseille. Donc la mer est tout le temps là. Et j'ai même une maison de famille à Cassis, où j'ai vécu mon enfance. Avec une maison qui est sur le port, qui est avec vue sur la mer. Tout est lié d'une certaine manière. Mes peintures font beaucoup référence aux icônes portatives grecques orthodoxes. Et il y a très souvent parmi ces icônes des bas-reliefs. Moi, l'idée que j'ai eue, c'était d'utiliser des matériaux organiques pour représenter, par exemple, utiliser pour la coque d'un navire, utiliser une écorce de bois. Pour un mur, le mur de Troie, utiliser des cailloux et représenter caillou par caillou une construction de mur. C'est une manière pour moi de me confronter à la réalité. Je fais un dessin, je fais une peinture, c'est une représentation. À partir du moment où je mets un objet concret dessus, tout d'un coup, il y a un choc visuel. Et ce choc visuel, il faut que je l'équilibre. Et donc, c'est un jeu entre la réalité et ma peinture. Et il faut que j'équilibre et trouver une harmonie dans ce jeu. C'est une manière de me donner une liberté totale. À partir du moment où j'ai plusieurs cases, j'ai plusieurs peintures que je peux confronter. Donc je peux parfaitement faire une matière complètement abstraite et à côté avoir un dessin complètement réaliste et faire vraiment des jeux encore de jouer avec le chaos et organiser ce chaos. Et ça me permet en plus de raconter une histoire dans l'histoire. Je peux juste apposer un visage avec une flamme et il y a une interaction qui se passe. C'est un héros qui peut avoir certaines lâchetés, qui peut ne pas être brillant tout le temps, qui peut faire de l'évitement face aux problèmes, comme n'importe qui, comme moi. Il m'est très facile de m'identifier à Ulysse, bien plus qu'à Achille. Achille, guerrier furieux, qui ne pense qu'à la gloire. Voilà, je me sens plus proche d'un Ulysse que d'un Achille. Donc ça m'était très facile de me caler sur sa route, je sais pas, de parler de mes obsessions, sur ses obsessions. Je me suis senti en famille. Généralement, quand on clôture une exposition, on passe à autre chose, en tout cas on se pose la question, hein, c'est une petite mort d'une certaine manière. Et là, ça va m'être très difficile. Je pense pas que je puisse quitter ce personnage comme ça. Je pense que je vais jongler, je vais basculer sur l'Iliade. Parce que je me suis tellement identifié que je vais pas pouvoir me tuer moi-même, quoi. C'est difficile.
Oui, je pense que je pourrais passer ma vie là-dedans. La mythologie, c'est absolument magique. C'est les images primitives. C'est l'inconscient collectif. Toutes ces images nous parlent, même si on n'a pas connaissance de ces images, enfin, même si on n'a pas la connaissance du sens de ces images. Ulysse face au Cyclope, Ulysse face à Poséidon. Tout ça, je pense, est inscrit en nous. Quand on l'apprend, je pense que les enfants comme ça accrochent tellement, parce que c'est là, c'est déjà en eux, avant même qu'ils appréhendent ça. Voilà, donc ça, moi j'adore la psychanalyse, j'adore jouer avec les messages, avec les sens, avec les phrases. Et là, c'est un bonheur. Les quatre classes sont venues ici. Et on a travaillé ensemble. Enfin, déjà, je leur ai présenté l'exposition. Je leur ai raconté un peu le parcours d'Ulysse, qu'ils connaissaient déjà un petit peu, déjà, hein, grâce aux institutrices, qui avaient lu une version abrégée de l'Odyssée d'Homère. Et ensuite, je vais retourner dans leur classe et leur faire inventer un des épisodes d'Ulysse. Et avec ça, ils vont faire une illustration de ce qu'ils auront inventé. Ce sera super, je n'ai aucun doute.